Tu fais quoi là de ton temps? Pas grand chose. Je relis les vieux livres. C'est pas si mal d'avoir les vieux livres. J'ai toujours aimé relire les vieux livres, je lui dis. Des fois, t'aimerais lire autre chose que les vieux livres, mais c'est dans les vieux livres qu'on lit le mieux. Pourquoi on lit mieux dans les vieux livres? Parce que tu les connais un peu d'avance. C'est pas que tu t'en souviens, c'est que justement, tu reconnais à mesure que ça revient là devant toi. Et à mesure que ça revient là devant toi, tu reconnais, mais c'est pas exactement la même chose. Parce que toi, t'as mûri, t'as changé. Qu'est-ce qui t'a fait changer? T'as lu d'autres vieux livres. Tu viens, et là, ça chante, ça boite, ça voit de travers, ça fissure. Peut-être que le gars, tu le vois un peu, là, pas aigri, mais durci, ou tu le vois peut-être mieux dans sa peur. Comprends-tu? Lui aussi, d'un moment à l'autre, le moment où t'as lu le livre pour la première fois, puis la deuxième fois, puis la troisième fois, puis la cinquième fois, puis la dixième... Oh, ah, t'exagères. Bah, et si, et combien de, d'années que je relis les mêmes livres? D'un livre, ce que je me souviens, c'est la première fois que je l'ai lu. Quel âge j'avais quand je l'ai découvert? On ne sort jamais de sa première lecture. Mais toi, en te changeant par rapport à ta première lecture, c'est un miroir, tu comprends? Le miroir de quoi? Le miroir de ta peur? Le miroir de ta mort? Tu repousses le temps. Tu écartes le temps. Qu'est-ce que tu peux faire de mieux pour écarter le temps que de reprendre les vieux livres? De lire les vieux livres? Alors là, temps gris, pluie, désarroi dans ce que devient le monde. Tu mets les mains comme ça, subrepticement t'attrapes le vieux livre. Tu le poses là et tu le lis. Le vieux livre. Et après un vieux livre, un autre vieux livre, un autre vieux livre. De temps en temps, bon, faut que tu sortes. C'est pas si grave. Si tu viens des vieux livres.